Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'Amnesia The Dark Descent. Et oui, alors ce jeu signera le début d'une émission nommée le Sonical Graphic Show, qui sera évidemment inscrit dans le Sonical Movie Show Diary, mon Facebook et ma chaîne YouTube. Donc, j'ai décidé de commencer par ce jeu pour introduire cette émission. Tout d'abord parce que l'histoire de ce jeu est vraiment très dur à cerner. Surtout pour les personnes qui ont déjà joué. Je suis sûr qu'il y a des gens comme nous qui ont déjà joué à ce jeu et qui n'ont pas réellement bien compris l'histoire. Pour ça, je vais vous le faire parce que moi, j'ai bien compris l'histoire du jeu, même si ça fait longtemps que j'ai joué. Et c'est surtout aussi pour les gens qui ne connaissent pas ce jeu et qui aimeraient bien le découvrir. Et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Commencer une nouvelle partie. Parce qu'il s'est présenté. Don't forget. Hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London. Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Je suis Daniel. Oh putain, toi tu fais peur. I am Daniel. Je peux rien faire. Mec, c'est pire qu'un bruit là. Ok. Allô? Allô? Lâche-toi un petit monsieur, s'il te plaît. Allez, tranquille, laisse-toi, c'est bon là. Le mec, c'est pire qu'un bourré, c'est quoi ça? Suivez la traînée liquide et trouvez sa source. Ce liquide, je présume. On va se calmer avec les bruits de bord d'abord. Mais non, relève-toi, c'est bon là, oh. Hi, Baima. Oh, j'ai fait une tête avec la tête. Oh, une boîte d'amadou. Alors les boîtes d'amadou, c'est très simple. Ok, c'est la fête Bina en toutes les boîtes. Enfin bref, par exemple cette bougie, si elle avait été éteinte, bah avec une boîte d'amadou, ça sert à l'allumer en fait, tout simplement. Donc les boîtes d'amadou servent à allumer différentes sortes de lumière. Ok. On puisse trouver. Mais qui est éteinte, évidemment. Parce qu'il y a quelque chose d'allumé, on va pas le rallumer, ce qui n'est pas tellement logique. Bon, montons des escaliers, je sens qu'une mauvaise surprise nous attend. What the fuck? Faites gaffe, je suis armé. Tiens, vas-y, tu regardes devant. Moi j'ai pas. Allez, Georges, nous y allons ensemble. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, non, Georges, Georges, me laisse pas, non, non,
Lève-toi, vas-y, on y va. Georges, attaque! Georges, t'es mort? Ok, Georges. Ok. Attends, laisse-moi te récupérer. Vas-y, Georges, on y va. Oh, fuck you, Georges! Georges, on y va! Attends, je ferme la porte! Désolé, Georges, je te laisse. Ok. Pas bouger. On va voir ta mère. Georges! T'es mort? Yeah, man. Non, je rigole. Hello, bitches! Y'a personne. Non, en fait, je flippais pour rien. C'est tout à fait normal. Et Georges, t'es... Ah, t'es là. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. Ok, on y va. Oh, Georges! Y'a ton potin! C'est un petit peu mal pour... Ouais bah Georges, écoute, je te laisse, hein, à plus, bonne soirée. Non, bonne journée, merde. Je vais leur dire. C'est vrai. Bon. Oh, une porte rouge. Ça indique que nous changeons d'endroit. Ah oui, alors... Les messages de chargement, je n'ai jamais compris à quoi ils servaient, parce que à chaque fois c'est en dehors de l'histoire, ou dedans, mais ça sert à rien. Enfin, c'est bizarre. En perso, ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé. Donc voilà. Où tu tombes ? Merde. Ok. This is normal. Oh non, voilà, il y a de la lumière. Oui, alors faut savoir que Daniel flippe très facilement dans le noir, ce qui lui donne des nausées, de travail et tout, et puis vous voyez tout flou, comme ça, un peu comme ça, voilà. Ça, c'est très chiant, et ça le fait au bout de quelques années. Donc franchement, c'est vraiment très chiant. C'est pour ça que enfin, c'est aussi ce qui fait la difficulté du jeu. Ouais, voilà, c'est ça, quand vous entendez le... Et bah voilà, c'est quand il commence à flipper dans le noir. Oh. Ok. Non mais, hé, je veux pas regarder. Ok. Le machin, il capte ma vue. Ok, il y a rien. Putain, il va arrêter que... Il va arrêter de flatuler, Daniel, là. Il fait voler toutes les feuilles et tout. Il fait plein de courants d'air, ça me fait peur, moi. Toi te barrer. Très vite. Parce que j'ai pas peur. Oh. Oh merde. Oh merde, j'ai pété. Oh putain, j'ai pété. Oh j'ai putain, j'ai pété. Ok, je vais pas arrêter quand même. Bon alors, priorité de ce jeu. Non mais cette voix elle me fait flipper, non sérieux. Ah, déjà je vais prendre la porte, je vais la fermer, parce que là j'ai peur. Voilà, hein, ok. Donc je disais, bah, voilà. Quand on détruit tout comme ça, voilà, qu'on jette tout, et bah forcément on trouve plein d'objets partout, c'est génial, c'est cool, c'est comme la chasse au trésor, c'est pareil. Et puis voilà. Oh! On dirait Aladdin croisé à Harry Potter. Harry Potter, yeah! Voilà. Et Aladdin, avec son tapis magique. Ouais, mais il vole pas lui, hein. De capter ma vue. Ah.
regard captivé peut rien faire pour un papier sur une table. Ok. J'aurais aimé te demander ce dont tu te souviens. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à consommer cette boisson. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. J'essaie de trouver le réconfort. Try to find comfort and strength in your faith. There is a purpose. You are my final. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Ce qui suit va te sembler horrible. Go to the inner sanctum. Va au sanctuaire intérieur, trouve Alexander et tue-le. And kill him. His body is old and weak. Il ne pourra pas te résister. Un homme te suit. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Le mec en plus d'être amnésique, il est carrément malade. Il est schizophrénique. Allez, on va au temple parce que nous on a un peu peur comme un tir. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Là il a l'air bien derrière, ça résiste à flexible, ça peut peut-être casser ni la main ni avec des outils. Ok. Mais bah moi j'ai pas peur, on y va. Si tu l'ouvres pas avec non. Si tu l'ouvres pas avec une clé, tu ne pourras pas l'ouvrir. Dans le bon sens, t'as pas mis au coup. Non, c'est parce que j'ai peur, je dis des bêtises, voilà. C'est niveau d'huile. Quand il y en a plus, vous êtes dans la merde.
sauvegarde dans ce jeu, bah c'est simple, vous êtes mort, quoi. Mentalement déjà, enfin cérébralement, vous êtes déjà foutu. Bon, déplacement du laboratoire. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée, issue de mes récentes expériences, a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et sont difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans le caveau. Ok, my friend, non, sous ça, toi, t'arrêtes de flipper comme une flippette. Te tourne le dos. Tiens, j'ai une idée. Prends ceci, méchante vilaine bête. Okay. There should be more coop rats. Let me see, And one part aqua force. D'amour dans un lieu aussi pitoyable et horrible que celui-là. Comment est-ce possible? Un jour, je reviendrai si ce n'était pas pour toi, mon amour. Je ne pourrais pas continuer. Je fais des choses terribles. Je pense à toi pour me réconforter. Quand je peux penser à toi et espérer une vie demain, je sais que je suis bien meilleur que les autres. Je pleure pour eux, ils sont une ambition sans limite dans laquelle tu peux voir, alors que moi, je ne veux qu'un jugement qui soit juste. Première expérience d'alchimie. Ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et leur piment sont une garantie, et le cuprite les maintient bien ensemble. Du cuprite, parce que ça fait classe. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau égale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable, sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution, devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver la solution chimique pour en sortir de là. Ok! Déjà, un, le mec a fait de la pisse, quoi. Comme c'est malheureux, n'est-ce pas? Et toi, arrête de flipper, je dis. Ah d'accord, ça sert à ça. Wow, what freestyle, je vole! Le mec, il touche même pas par terre, toi, il monte. Trop fort. I love this man. I love this man. I love. Bon alors. C'est vrai, suis-je débile? Des trois planches clouées. Si on ira pas très loin. Ah bah là, c'est encore pire. Ah non, j'arrive pas à faire le bruit. Ah. Bon, il y a une boîte de matou, mais la porte est sonnée. Là, je ne peux rien faire, ça c'est sûr. C'est quoi ce bruit-là? Je sens que là, ça va pas être bon. Moi, avoir très peur. Très, très peur. Ouais. Ah oui, alors là, on commence bien, hein. Porte défoncée, vas-y. Hein. Parce qu'ici, on a peur. Oh putain, pourquoi il a tourné comme ça d'un coup, lui? Sixteenth of May. Margaret.
Voilà. 16 mai 1839. L'éternel soleil africain continue de mettre en péril notre expédition. Il est presque impossible de creuser avant la tombée de la nuit. Comment est-ce que le professeur Herbert est-il parvenu à trouver l'endroit en ces vastes plaines de néant reste pour moi un mystère. Quand je l'ai de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tininan, la mère de tous. C'est une histoire intéressante en soi, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Plus tard ce soir-là, nous avons découvert un passage en dessous des dunes menant à une structure en pierre couverte de sable. Le professeur était sûr qu'il s'agissait de la tombe que nous cherchions alors et a ordonné aux autres de dégager le passage. Il était tard et la nuit obscure et froide. Demain, je dois guider ces hommes vers l'ancienne structure en espérant atteindre la chambre funéraire. Qu'importe ce que le professeur peut bien me cacher, les fouilles devraient révéler quelque chose d'intéressant à ramener à Londres et au British Museum. Intéressant, n'est-ce pas, les amis? L'histoire en Algérie. Non, toi, arrête de faire bzzz. Tiens, regarde-moi ce que je te fais. Tiens. Wow, what the fuck? Ah, le bug. Pourquoi c'est un livre dans une armoire, les amis? Eh ben, il se retrouvera à 10 km plus loin, c'est-à-dire ici. Non, ça fait pas tellement 10 km. Hein. Oh non, sérieux, ça me fait peur. En plus, c'est tout noir. Ok. Arrête de flipper, je te dis. C'est bon. On est safe. Et comme j'ai peur, eh ben, je ferme la porte. La peur est logique. Voilà, les amis, vous voyez à la chaise là. Eh ben, si jamais il y a quelque chose qui se passe, papillon, et qu'il y a un monstre qui débarque, eh ben, nous ferons comme la chaise. Comme ceci. Voilà. On fera mode stone activated. Stone égale pierre pour ceux qui ne le savent pas. Parce que moi j'ai pas peur. Ok. Le contrat de William. Ok. Par la présente, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre Baron de Wittenberg. Ce contrat sera valable pendant 3 ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus est, Alexandre, le baron de Brandenburg, va recommander mes services à la cour royale prussienne et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord, Wilhelm, maison de Gerich. Alors, désolé, hein, je ne sais pas le mot, ça se trouve que je l'ai mal prononcé, je n'en sais rien. Donc, vous m'excuserez, mais là, moi, j'ai pas peur! Armé d'une chaise, je peux rien faire. Étude, studio, catalogie. D'accord, j'étais au catalogie. Moi, très peur, surtout là-bas au fond, là, je sais pas ce qu'il y a, j'ai peur. Oh, du dos! C'était quoi ce bruit? Ferme la porte, vas-y. Oh. Oh. Vas-y, monte sur le bureau, moi j'ai peur. Moi, tu as activated. Par un éclaireur! Moi, peur. Vas-y, bout de papier, sauve-moi. 17 mai 1839. Mes mains tremblent alors que je ne suis plus en train de... Attends, lui, il me perturbe. J'ai une idée. Non. Voilà. Donc, 17 mai 1839. Mes mains tremblent alors que je suis en train d'écrire. Je ressens un réel besoin de documenter mes aventures par peur que ma mémoire me fasse défaut. Aujourd'hui, je me suis aventuré avec quelques hommes de main dans des anciens passages obscurs encore. Nos torches brûlaient fébrilement dans le ciel sombre alors que nous frayions notre chemin dans les sous-sols. Les hommes étaient superstitieux et craintifs. Ils se plaignaient à haute voix dans leurs étranges langues et je me sentais peu à peu affecté. J'allais récupérer mes forces et leur hurler dessus afin qu'ils continuent de descendre les pentes et de surmonter les obstacles. Ce passage grossièrement découpé m'a perturbé. Il semblait plus vieux que les structures du 4e siècle que nous avions vues. Le chemin menait à une grande antichambre. Les murs étaient ornés de statues comme je n'en avais jamais vu auparavant. En dépit de leur aspect surnaturel, j'ai senti comme une étrange familiarité entre elles, familiarité qui me hante encore aujourd'hui. À l'autre bout de la chambre, une grande dalle de pierre nous barrait le chemin. Je donnais l'ordre de la déplacer et au fur et à mesure
où je me faufilais dans les trois passages, l'énorme pierre a soudainement basculé, me faisant alors comme prisonnier à l'intérieur. J'étais piégé. Oh my god! What is this fucking story? I am scared! Surtout j'entends des voix partout. Non, en fait, ce jeu est carrément schizophrène. Oh putain, Casper, t'es pas dedans, s'il te plaît, sors pas du tiroir, j'ai peur. J'ai pas peur, je vous le dis. Je suis armé, faites gaffe. Donc, vas-y, voilà, avec les pieds, ça le fera. Vas-y, j'ai pas peur. Arrête de flipper, c'est bon. Personne. Libri Verteris. Vas-y, on va là-dedans. Oh, Jojoy! Attention, hein. Ah, mais oh. C'est quoi le piano qui joue tout seul là? Il veut flipper encore longtemps, lui, là, hein. C'est bon, hein. On va peut-être arrêter les conneries, maintenant. Ouais, bon, j'ai pas peur, je peux pas lâcher cette fois. Historia Loki. Loki, ouais, Loki. Parce que les prononces, en italien, on les prononce tu, je crois, les C, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, c'est fermé à clé, nous sommes dans la merde. Vraiment tous. La porte mène dans la chambre dans laquelle est verrouillée. Y a-t-il une autre entrée? Ok. Je n'aime pas ce couloir. C'était quoi ce... Un mob qui est prêt à me dégueuler dessus là. C'est quoi ça? Oh mais oh. Oh Toto! C'est quoi ce bruit? Tu sens? Oh non, je vais pas mourir, s'il vous plaît. Ah, petite bébé. Ah, c'est le piano qui jouait tout seul. C'est ça? Hein? Arrête de faire bzzz. Arrête de bzzzter. C'est quoi ça? Oh, mais c'est une carte! Une carte de Tchung Tchung là-bas. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est juste ça. Autre carte de Tchung Tchung là-bas. D'étage de lineate imagines tabulatis. Oh putain, oh des cartes de tchac tchac là-bas, il y en a plein tchac 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 là-bas. Oh, une grande partie du château des natures a été délaissée pendant des siècles. Lorsque l'ombre arrivera, il faudra pas attendre longtemps avant que tout commence à s'effondrer. Let's do what we can. Or West.
Non, c'est bon avec le piano, j'en ai marre. C'est pas ce piano-là. T'as beau, là. Oula, il y a quelque chose là. C'est bizarre, ça me dit... Ça me dit qu'avec ces roches-là, avec ces roches, vous voyez... Oh non ! Oh, Georges ! Georges, tu vas m'aider. Georges. Oh, Georges, mais t'es trop fort ! Laissera ici pour cette dernière partie. Quoi? J'ai rien fait? Non, s'il te plaît. Non, elle ne m'abandonne pas, elle ne tombe pas. 17 mai 1839. Je m'ai donné avant ce qui me semble une éternité. Je réalisais que tout espoir était perdu. J'étais piégé. Je suis tombé à la terre haletant, mais avant de commencer à se faire. J'essayais de me concentrer. C'est alors que j'ai vu une lumière bleue scintillant. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself towards the enchanting light. It was waiting for me, enclosed in dark nothingness. I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. A faint glow escaped my fingers, making a spark brightly. Spirit away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Mais pourquoi il marche de travers? J'en ai marre. Un léger mal de tête, ouais, bah putain. Pire qu'un léger mal de tête, tu peux pas. You have to be swift. Tu dois être rapide. Si tu dois faire le premier, tu as fait ça. Si la main, tu dois voir en commencer. If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Bella. Ok. Bon, on va voir de quoi il parle, hein. Merde, non, c'est quoi ça? C'est même tous. Il y a comme une sorte de mécanisme, c'est quoi dans la porte menant à la salle d'histoire locale? Ok. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais enchaîner, hein. Je vais en faire une deuxième. Mais sur ce, bah, ceux qui peuvent pas suivre la suite, et bah, je vous souhaite une bonne journée. Puis j'espère que je décéderai pas sur la suite de cette histoire. Hein. Bon, bref, bye bye quoi.